Afghanistan, les passagers de 3 bus enlevés par des talibans. Les talibans célébrant le cessez-le-feu en Afghanistan, le 16 juin 2018. Photo d'illustration, Parwiz Quatters. Dans la province de Kunduz, au nord de l'Afghanistan, les talibans ont enlevé plusieurs dizaines de personnes, les passagers de 3 bus qui faisaient la liaison avec Kaboul. Une embuscade menée dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 août, qui intervient après la proposition du président afghan, Ashraf Ghani, de déclarer un cessez-le-feu de 3 mois. Un certain nombre d'hommes travaillant avec les forces de sécurité afghanes se rendaient à Kaboul dans ces bus, ont indiqué les talibans pour expliquer leur geste, précisant qu'ils allaient identifier les membres des forces de sécurité. Selon le ministère afghan de l'Intérieur, 170 passagers ont été enlevés, puis 149 libérés. Cet enlèvement intervient alors que le président, Ashraf Ghani, a proposé dimanche 19 août de mettre en place à partir de ce lundi un cessez-le-feu de 3 mois avec les talibans, à condition qu'ils interrompent aussi les combats. We announce a ceasefire that would take effect from tomorrow, Monday, the day of Arafat, till the day of the birth of the Prophet PBUHIE, Milad Anabi, provided that the Taliban reciprocate, Ashraf Ghani, 19 août 2018. Selon l'agence de presse Reuters, deux chefs de guerre talibans ont refusé aujourd'hui cette trêve, au nom de leur chef Sheikh Aibatullah Akhundzada, estimant que les Américains vont prolonger leur présence en Afghanistan si nous annonçons une trêve maintenant. Cette annonce du président Ghani, saluée par l'allié américain et le voisin pakistanais, intervient après 10 jours de violence qui ont vu les talibans lancer une attaque contre la ville stratégique de Ghazni, à 2 heures de Kaboul, et prendre une base de l'armée afghane dans le nord-ouest. Un attentat de l'organisation État islamique a également fait au moins 37 morts. Le président afghan n'a pas cité l'OI dans sa proposition de cessez-le-feu. La première trêve depuis l'intervention américaine en 2001 remonte à juin dernier, elle n'avait duré que quelques jours mais avait donné lieu à des scènes de fraternisation entre talibans et membres des forces de sécurité.